que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Je vous invite à partager ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez ce direct, partagez ce direct. Goliath doit tomber. Cinquième partie. Goliath doit tomber. Cinquième partie. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Bonjour de là où vous êtes. Partagez ce direct. Voilà. Anno Yapi, sois béni. Florence Doba, sois béni. Constance Salomon, sois béni. Rise. Ma Chovi Anglo soit béni. Désir Dibnes soit béni. Voilà. Paula Mboa Nicole soit béni. Ornella Mamon Karamoko soit béni. Augustine Allier soit béni. Laetitia Dibnes soit béni. Véronique Touré soit béni. Fabienne Malan soit béni. Déborah Dansou soit béni. Deborah Dossou soit béni. Ado Mathurin. Niamien soit béni. Marcel Dilita soit béni. Racheté de Dieu soit béni. Voilà. Ibnou Enzo soit béni. Stéphane Okou soit béni. Corinne Kabagori, épouse Eliaka, soit béni. Goliath doit tomber. Voilà. Vida Adjoa Gezi soit béni. Partagez cette vidéo, invitez les personnes. Goliath doit tomber. Tu vas entendre que quelqu'un est tombé après ce séminaire. Tu vas entendre qu'un Goliath est tombé. Tu vas entendre qu'un sorcier est tombé. Tu vas entendre qu'il y aura un bruit de ton miracle. Simon Marie Dipnès soit béni. Reine Equalé Dipnès soit béni. Voilà, soyez béni. Partagez, invitez, taguez les personnes. De Souza Edouard soit béni. Blanc, Catherine, Kofi, soit béni. Voilà. Blessing Deepness, soit béni. Partagez la vidéo. Partagez, je lui ai dit des choses utiles aujourd'hui pour vous. Je vais aujourd'hui enseigner un peu, sinon prêcher. Et puis je vais. Voilà, je vais parler un peu sur vos vies, déclarer des choses et prier avec vous. Voilà, bien aimé, 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Verset 40. Et David prit en main son bâton. Notez qu'il a écrit son bâton. David prit en main son bâton. Combien de bâtons? Son bâton. David prit en main son bâton. Choisit 5 pierres polies du torrent. Combien de pierres? 5 pierres polies du torrent. Et les mit dans sa gibecière de berger, et dans sa poche, et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, et s'avançant contre le Philistin. Voilà. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Verset 43, le Philistin dit à David, suce un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. Le Philistin a vu combien de bâtons? Des bâtons. David a porté combien de bâtons? Un bâton. Mais le Philistin a vu des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, Verset 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45, David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains, je te frapperai, je couperai ta tête, aujourd'hui je donnerai ton cadavre au champ, du champ des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Tout ce dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. La pierre pénétra
dans le front du Philistin qui tomba visage contre terre. Ainsi, avec une faute et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. David courut et s'arrêta près du Philistin, le saisit de son épée, tira son épée du fourreau, le tua et coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Alors les hommes d'Israël et Judas se dressèrent, lançaient une clameur à la poursuite des Philistins jusqu'au bord de la vallée et jusqu'à Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombaient dans le chemin de Shaaraim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Amen. Amen, 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 amen. Bien aimé, partager cette vidéo. La première chose que je vais vous dire, c'est que Goliath est grand, il est fort, il est puissant humainement. David est petit, ce n'est pas un homme qui est redoutable à la guerre, il n'est pas entraîné à la guerre. David contre Goliath, si on devait parier aujourd'hui, faire des pronostics, en regardant de nos yeux, on donnerait Goliath vainqueur. Parce que Goliath était un géant. Il y a ce que tes yeux voient qui paraît tellement grand, qui paraît tellement écrasé, qui te fait peur, qui a la capacité de te détruire, qui te donne des frayeurs, des peurs. Mais ça, c'est parce que ce sont tes yeux qui voient ces choses. Toutefois que Dieu veut accomplir de grandes choses, il te présentera un géant. Les géants, tu les trouveras. En entrant à Canaan, tu trouveras des géants. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'aller à Canaan, ils ont vu des géants. Mais Josué et Caleb n'avaient pas peur de ces géants. Parce que Dieu avait déjà donné le pays à Abraham et à sa descendance. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Lorsque Dieu te donne quelque chose, quelle que soit la taille de celui qui se présente, la personne a déjà échoué. Lorsque Dieu veut faire de toi quelqu'un, quels que soient tes défis, quelles que soient tes difficultés, tes vallées, tes montagnes, tes profondeurs, tes hauteurs, tes difficultés, tes challenges, quelles que soient les entités, les forces qui sont en face, Dieu te permettra d'être ce que tu dois être. Lorsque Dieu veut que tu fasses quelque chose, quels que soient les défis, les challenges, les difficultés, Dieu te permettra de le faire. Malgré la taille de Goliath, David, n'est-ce pas, était pronostiqué par Saül et par tout le peuple qui avait peur, n'est-ce pas, celui comme étant celui qui avait perdu la bataille. Tout le peuple avait pronostiqué que c'était Goliath qui allait gagner. Et bien entendu, quelquefois, tu te mets du côté de Saül, tu te mets du côté de la foule lorsque ton pronostic est un pronostic qui s'appuie sur ce que tes yeux voient. Mais bien entendu, je veux te faire comprendre que le monde, les choses que tes yeux voient, sont soutenues par ce que tes yeux ne voient pas. Les choses que tes yeux voient sont soutenues par les choses que tes yeux ne voient pas. Ce qui soutient est ce qui est plus fort. Ce qui soutient est ce qui est plus puissant. Si je te soutiens, c'est que je suis plus fort que toi. Je dis le monde invisible soutient le monde visible. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que ce monde visible est soutenu par ce monde invisible. Ce monde visible est fait parole. N'est-ce pas, elle est le fondement de toute chose. La parole est forte, elle est puissante que toute chose. Toute chose, toute chose. Bien-aimé, quand tu regardes un arbre, il y a une partie visible, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs. C'est ce que ton œil voit. Mais il y a une partie que ton œil ne voit pas, la racine. Et c'est la racine qui soutient l'arbre. C'est la racine qui soutient le tronc, quel que soit sa hauteur, quel que soit son poids, quelle que soit la taille de l'arbre. L'arbre est soutenu par les racines que tu ne vois pas. Le jour où la racine apparaît, l'arbre n'est pas loin de tomber. Parce que c'est la racine qui soutient l'arbre. Ce que ton œil ne voit pas, c'est ce qui soutient ce que ton œil voit. Je suis en train de dire à quelqu'un. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as tendance à juger, à vivre en fonction de ce que tes yeux voient. Mais tu ne veux pas vivre en fonction de ce que tes yeux ne voient pas. Or, justement, la foi, c'est l'espérance. Ça commence par l'espérance et ça finit par la démonstration. Hébreux 11, 1. La foi, c'est la ferme assurance dans les choses que l'on espère
et ensuite la démonstration de celle que l'on ne voit pas. Il y a d'abord l'espérance et ensuite la démonstration de celle que l'on ne voit pas. Donc c'est-à-dire, on ne voit pas. Car l'espérance, on ne la voit pas. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Si tu dis j'espère aller aux États-Unis, c'est que tu n'y es pas encore. C'est que tu n'as pas encore vu. L'espérance, quand on parle d'espérance, c'est qu'on ne voit pas. Et on parle de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, l'espérance, on ne voit pas. La démonstration de ce qu'on ne voit pas, on ne voit pas encore. Donc dans la foi, en fait, ton œil n'est pas utile dans la foi. Ton œil n'est pas utile dans la foi. Or, c'est ton œil qui te trahit. Parce que beaucoup de choses que nous faisons s'appuient sur ce que nous voyons. Nos attitudes s'appuient sur ce que nous voyons. Nos frayeurs, nos peurs, nos découragements, nos angoisses s'appuient sur ce que nous voyons. Et c'est pour cela, comme l'ennemi sait que tu aimes voir, alors il va te montrer ce qu'il veut que tu vois, pour que tu aies peur, pour que tu sois apeuré. C'est pour cela que l'ennemi te montre des choses. Bien-aimé, est-ce que je peux parler? Je peux avancer? Écoute-moi très bien. L'ennemi veut te montrer des choses pour te décourager. Il veut te montrer des choses pour que tu n'aies pas la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout ce que l'ennemi fait, c'est en fait pour te démontrer qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est grand. C'est pour cela que la Bible dit que Goliath a pris un porteur d'arbre et son porteur d'arbre se déplaçait avec sa lance, son javelot. Il portait la lance pour le dévancer. Il portait son bouclier pour le dévancer, pour montrer à David. Pour dire, regarde, David, petit, regarde. Ce que je transporte là, c'est l'arbre de celui que tu veux combattre. Le bouclier que j'ai en main là, c'est l'arbre de celui que tu veux combattre. Sa lance seulement là, je transporte sa lance seulement là, c'est dû à supporter. Elle dit, tu es sûr que tu peux combattre cet homme. En fait, tout ce que l'ennemi fait, c'est de te faire peur. Tout ce que le sorcier veut faire, c'est de te faire peur. Tout ce que les démons veulent faire, c'est de te faire peur. Parce que le diable, il veut tenir le monde par la clé de la peur. C'est pour cela que devant toute situation, tu dois bannir la peur, tu dois bannir la crainte. Ça, c'est le principe numéro un. Deuxième chose, tu ne dois pas alimenter ta peur par tes sens, parce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu sens, parce que tu touches. Tu peux vivre quelque chose, mais tu ne dois pas avoir peur. Écoute-moi, on peut t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais tu peux ne pas croire à cette bonne nouvelle à cause de la mauvaise nouvelle qui vient la combattre. C'est pour cela que le premier combat, le premier niveau de combat, il est en toi-même. Le premier niveau de combat, il est en toi-même. Le premier niveau de combat, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi-même. Je dis à quelqu'un que le diable va toujours te parler. Le diable va toujours vouloir te faire peur. Il va te donner de voir des choses, entendre des choses. Il est venu au désert, il a dit, il est écrit. Parce que par la parole, il utilise même la parole. Il dit des choses, il suggère des choses à ton esprit, à ta parole, à ta conscience, pour que tu aies peur. Son objectif, c'est que tu n'aies pas foi. Car il sait que le monde a été vaincu par la foi. Alors, il fera tout pour que tu n'aies pas la foi. Bien-aimé, je peux te dire quelque chose. Tu as été peut-être en contact avec des démons. Les démons t'ont peut-être oppressé. La sorcellerie t'a peut-être martyrisé. Tu as été sous l'emprise, n'est-ce pas, de certains esprits impurs. Et quand même on a prié pour ta délivrance, ou on veut prier pour ta délivrance, toi tu t'es dit que tu ne vas jamais sortir de là. Le mari de lui qui te fatigue, tu t'es dit que tu ne vas jamais sortir de là. La sirène des eaux qui te fatigue, tu dis que tu n'as jamais sorti de son emprise. Le sorcier qui te presse, tu dis peut-être que tu n'as jamais sorti de son emprise. Laisse-moi te dire, c'est un mensonge du diable. La promesse de Dieu est que tu sois libre. La promesse de Dieu est que tu sois libre. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est la vérité. Le diable est un menteur. Je suis en train de te faire comprendre que tout ce que le diable fait, ce n'est que de la séduction. Ce n'est que du pur mensonge. C'est de l'intimidation. Il veut t'intimider. Il veut te faire croire que tu ne réussiras pas. Il veut te faire croire que tu n'y arriveras pas. Écoute-moi très bien. Lorsqu'un fer à repasser est branché et qu'il est chaud, quand on le débranche, automatiquement, il ne devient pas froid. Il y a un temps pour qu'il devienne froid. Ton problème, c'est que chaque seconde, tu viens toucher le fer qu'on a débranché. Et parce que le fer est encore chaud, tu te dis que le fer est encore branché. Ton problème, c'est ça. La chaleur, ce sont les effets de la connexion avec la prise. Il y a des effets des esprits mauvais dans ta vie. Mais pendant que toi, tu vis ces effets, tu continues de les vivre alors que tu as été racheté, tu as été libéré, tu as été délivré. Tu dis que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu regardes aux effets. Et quand tu regardes aux effets, tu as l'impression qu'il y a la source qui est encore là. Mais la source peut bien être déconnectée. Tu peux bien être déconnecté de la source. Et pourtant, les effets peuvent être encore là, mais pour un temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as déjà eu ta délivrance certainement. Tu as déjà eu ta libération certainement. Christ, en mourant à la croix, nous a affranchis de la mort et du péché. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose qui s'est opéré en toi. Lorsque tu as entendu la parole de délivrance, tu as été vraiment délivré. Ton problème, tu ne crois pas parce que tu vois que ce que les esprits mauvais faisaient en toi continue d'exister. Alors tu te dis qu'ils sont certainement là.
Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que le fer encore chaud qui n'a pas été déconnecté. Tu as été déconnecté du diable à cause du sang de Jésus. Tu as été déconnecté du diable à cause de la main de Dieu. Mais tu crois et tu penses, tu es convaincu que l'ennemi est en train d'opérer encore à toi. Pourquoi tu es convaincu? Parce que tu vois encore les effets. Tu vois que tu n'es toujours pas encore marié. On a prié pour toi, on t'a délivré des esprits impurs, des esprits de nuit et toutes ces choses. Et tu crois que ces esprits ne sont pas partis. Pourquoi tu crois? Tu crois cela parce que tu n'as pas encore vu le mariage, tu n'as pas encore vu le travail, tu n'as pas encore vu la promotion, tu n'as pas encore vu l'argent, la richesse venir. Mais il y a un temps, lorsque Dieu a rejeté Saül, 1 Samuel chapitre 16 verset 1 à 2, Dieu a dit à Samuel, ne te lamente pas à propos de Saül que j'ai déjà rejeté. Dieu l'avait déjà rejeté, mais il était encore sur le trône. Ce n'est pas parce que Saül est sur le trône que Dieu ne l'a pas rejeté. Je dis à quelqu'un, le diable, c'est un nez qui donne l'apparence d'un géant. Il n'a pas de voix, mais il prend un micro. Est-ce que je peux dire ça encore fort? Je dis, le diable est un nez qui prend l'apparence d'un géant à tes yeux. Qui n'a pas de voix, mais qui utilise un micro, un amplificateur, pour te faire croire qu'il est puissant, pour te faire croire que sa parole porte. Sinon, le diable est le serpent. Et le serpent rampe. Et tout ce qui rampe est nain. Et on n'appelle rien. Je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Mais dans vous, il y a toi. C'est pour ça que j'ai dit, je t'ai donné le pouvoir, a dit Jésus, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ennemis. Et rien ne pourra venir. S'il dit rien, c'est que c'est rien. Écoute-moi très bien. Tu crois à la Bible ou tu ne crois pas. S'il dit c'est rien, c'est que c'est rien qui ne pourra tenir. Quand il dit rien ne pourra tenir, c'est que c'est vraiment rien. Ça veut dire dans rien, tu mets les sorciers, tu mets les démons, tu mets les magiciens, les enchanteurs, les envoûteurs. Tout ce que tu veux mettre, les esprits mauvais, tout ce que tu veux mettre, mets-les dans rien. Le diable y compris, les démons y compris. La Bible dit rien, c'est rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ton problème, c'est que tu crois à ces choses. Et tu alimentes ça parce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu expérimentes tous les jours. Regardez, je suis en train de dire que celui que tu combats, normalement celui que tu combats, quand on met un rapport de force, tu ne peux pas le vaincre. Mais ce n'est pas une question de celui que tu combats. Ce n'est pas de toi. Ce n'est pas une question de toi et celui que tu combats. C'est une question de Dieu et celui qui est avec celui que tu combats. C'est une question de Dieu qui est avec toi et celui qui est avec celui que tu combats. La Bible dit que Goliath a maudit David par ses dieux. Goliath a maudit David par ses dieux. C'est que Goliath croyait qu'il avait des dieux et que malgré la taille de Goliath, Goliath devait s'appuyer sur ses dieux. Pourquoi est-ce que Goliath, malgré toute sa taille, toute sa grandeur, sa puissance, il avait besoin de s'appuyer sur ses dieux? Ça fait bizarre. Goliath est géant, il est grand, il est puissant. Il fait plus de 2 mètres. Il est un costaud. David n'est qu'un petit. Mais malgré le fait que Goliath soit fort physiquement, il soit élancé, il est les armes physiques pour vaincre David. Mais bizarrement, la Bible dit au verset 43, il a maudit David par ses dieux. Parce qu'il a compris que ce n'est pas une question de muscles. Goliath nous enseigne que le combat est spirituel. Goliath nous enseigne que le combat n'est pas charnel. Goliath nous enseigne que tu ne dois pas t'appuyer sur tes muscles. Tu ne dois pas t'appuyer sur ton intelligence. Tu ne dois pas t'appuyer sur ton argent, sur ta richesse, sur tes relations, sur les choses physiques, sur tes capacités humaines. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur le Dieu qui est avec toi. Alors Goliath, lui, le Dieu qui est avec lui, ce sont ses dieux. David aussi a dit, tu viens contre moi armé de lances, de javelot, d'épée. Mais moi, je viens contre toi armé du nom de l'Éternel. Parce que j'ai compris que si tu me maudis par tes dieux, je mets la bataille sur ce plan. Je vais aussi du côté de mes dieux. Et je n'ai pas de dieux. J'ai un seul dieu. C'est le dieu de toi, tes dieux. Le dieu que j'ai, il est le dieu de toi, tes dieux. Le dieu que j'ai, il est le seigneur de toi, tes seigneurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, celui qui marche avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est le manuel. Il est avec toi. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as vraiment pas de raison de craindre. Car celui qui a fait le commencement, qui a fait au commencement les cieux et la terre, a déjà vu les ténèbres et par la lumière, il a vaincu sur les ténèbres. C'est celui-là qui marche avec toi. Je ne sais pas si tu crois en ce Dieu. Tu connais ce Dieu avec qui tu marches. Il est puissant. C'est lui-même qui a créé. Il a créé Lucifer. C'est lui qui a créé Lucifer. C'est lui qui a créé les anges.
Il a fait tout ça. C'est avec ce Dieu-là que tu marches. Satan, c'est une créature. Dieu, c'est le créateur. Ce n'est pas au même niveau. Toi, tu marches avec le créateur. Les autres marchent avec la créature. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu comprends? Tu marches avec celui qui a la victoire, qui a déjà vaincu. Eux, ils marchent avec celui qui a connu la défaite, le serpent qui rampe. Ce n'est pas la même chose. David dit, cette bataille ne m'appartient pas, elle appartient à l'Éternel. Est-ce que tu peux un peu mettre ta bataille entre les mains de l'Éternel? Ton problème, c'est que ta bataille, tu ne la mets pas entre les mains de l'Éternel. Tu dois mettre ta bataille entre les mains de l'Éternel. Tu dois mettre ta bataille entre les mains de l'Éternel. C'est entre les mains de l'Éternel que je vaincrai. C'est entre les mains de l'Éternel que j'aurai, n'est-ce pas, la domination. C'est entre les mains de l'Éternel que j'aurai le dessus dans cette bataille. Je dis, mets la bataille entre les mains de l'Éternel. David a dit, je viens armé du nom de l'Éternel. C'est quoi le nom de l'Éternel? C'est quoi le nom de l'Éternel? C'est l'arme de David. Le nom de l'Éternel, c'est l'arme de David. Autrement dit, le nom de l'Éternel, c'est la pierre que David a utilisé pour tuer Goliath. Le nom de l'Éternel, c'est le bâton que David a utilisé, n'est-ce pas, pour venir contre Goliath. Le nom de l'Éternel, n'est-ce pas, ce sont ces choses-là avec lesquelles il est venu. La pierre qui était dans la gibecière de berger, qui était faite de peau d'animaux, qu'il a sorti de la gibecière, sorti de la peau, sorti du sac qui était fait en peau d'animal. C'est ça qui est le nom de l'Éternel. C'est le bâton qu'il avait. Laissons un peu, revenons un peu sur les armes que David a utilisées. C'est-à-dire la parole. Je viens armé du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le nom de l'Éternel, je viens armé du nom de l'Éternel, veut dire je viens armé de la parole de Dieu. Et le nom de l'Éternel, selon Proverbes chapitre 18, verset 10, la Bible dit de façon très claire que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour. Le nom de l'Éternel est une tour forte, c'est-à-dire une forteresse. Une forteresse, c'est là où tu cours et tu te caches. Une forteresse, c'est là où tu cours et tu te protèges de tout danger, tout azimut. Et alors, la forteresse est une arme redoutable. Parce que si tu butes contre la forteresse, tu tombes, tu meurs. Si la forteresse tombe sur toi, tu meurs, elle t'écrase. Le nom de l'Éternel a un poids. Le nom de l'Éternel a une hauteur. Le nom de l'Éternel a la capacité de protéger, d'envelopper, d'englober. Quand tu marches avec le nom de l'Éternel, c'est-à-dire quand tu marches avec la parole, tu te trouves dans une forteresse. Dans une forteresse, il n'y a pas de flèche qui puisse te toucher. Les flèches de la sorcellerie ne peuvent pas te toucher. Les flèches des démons ne peuvent pas te toucher. Dans une forteresse, tu es à l'abri. Tu es comme dans un rocher. Et il y a le rocher de notre salut. Bien-aimé, nous savons sur qui nous nous appuyons pour parler. David a su sur qui il s'est appuyé pour parler. Il a su sur qui il s'est appuyé pour parler. Quand tu sais sur qui tu t'appuies pour parler, tu as de l'assurance. C'est pour ça que David va affronter Goliath. Sinon, en temps normal, il ne peut pas l'affronter. Mais c'est parce qu'il sait sur qui il s'est appuyé. Le combat se trouve à un niveau spirituel. Ne ramène pas la bataille dans la chair. Le diable va toujours vouloir te faire ramener la bataille dans la chair. Il va te faire ramener la bataille dans la dimension de ce que tu vois. Parce qu'il sait que ce que tu vois va alimenter ta peur. Ça va t'alimenter dans le doute et ça va t'éloigner de la foi et tu ne pourras pas le vaincre. Mais quand il veut t'amener dans la chair, retourne dans l'esprit. Répare dans l'esprit. Rababa Shaya. Rebebe Shaya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi pendant qu'il est en train de parler? La Bible dit que David est venu avec son bâton. David est venu avec son bâton. Regardez au verset 43, la Bible dit, David est venu avec son bâton, il est venu avec sa gibecière et avec ses pierres. Mais Goliath dit au verset 43, Goliath dit, pourquoi tu me traites comme un chien et tu viens avec tes bâtons? Pourquoi David, lui, il est venu avec son bâton. C'était un bâton que David a amené. Mais Goliath, pourquoi il a vu des bâtons? Frère, un bâton peut devenir des bâtons aux yeux de l'ennemi. Un bâton peut devenir des bâtons aux yeux de l'ennemi. Un bâton entre tes mains peut devenir des bâtons aux yeux de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Goliath avait une vision prophétique des choses.
Goliath voit dans l'esprit. Il a invoqué ses dieux. Ses dieux lui ont donné une révélation. Et quand ses dieux ont ouvert ses yeux, Goliath a regardé le bâton. Il dit, ce bâton n'est pas un bâton ordinaire. Ce n'est qu'un bâton, un bâton de berger pour certains. Pour les hommes ordinaires, le bâton de David était un bâton ordinaire. Mais pour moi qui vois dans l'esprit, par mes dieux, j'ai vu que ce sont des bâtons, ce n'est pas un bâton. Je vais expliquer bien. Il faut dire, prophète, explique, je vais expliquer. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux aggraver la chose? Rebeshaya. Rebeshaya. Écoute-moi très bien. Pourquoi? Parce que tout berger se déplace avec deux bâtons. 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 En réalité, il y a un qu'on appelle le bâton qui est tout droit et un autre qu'on appelle la houlette. David a dit dans le psaume 23, il a dit ton bâton et ta houlette, voilà mon réconfort. David a expliqué, c'est lui-même qui a dit dans le psaume 23, ton bâton, toi Dieu, ton bâton et ta houlette, voilà mon réconfort. Donc c'est ce bâton et cette houlette que tu as mis dans ma main. Mais en réalité, je les ai symbolisés par un seul bâton. Donc en réalité, dans le monde physique, les gens voient un seul bâton, mais dans le spirituel, il y en a deux. Il y a le bâton et la houlette. Et c'est ce que Goliath a vu. Car Goliath a vu dans l'esprit, il a vu que le bâton n'est pas un bâton simple. Il dit David n'est pas simple. Son bâton n'est pas simple. Ce n'est pas un seul bâton, mais c'est deux bâtons. Je vais expliquer bien. Je vais expliquer bien. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec les bâtons et la houlette? Vous savez, le berger, il utilise le bâton pour faire quoi? Le bâton pour taper les brebis, pour corriger leur direction. Donc, il essaie de communiquer un message au troupeau. Deuxième chose, le bâton, il sert à faire quoi? Il sert à frapper les ours et les lions qui viennent dévorer le troupeau. Il frappe tous les animaux féroces, les bêtes féroces qui veulent détruire le troupeau. Donc, le bâton a une fonction de direction, donc pour diriger. Et le bâton corrige, une fonction de correction. Et alors, le bâton aussi a une fonction de protection. Donc, fonction de direction, fonction de correction, fonction de protection. Et la houlette, c'est un bâton, mais la tête est recroquevillée comme ça, comme vous voyez le manche d'un parapluie, hein, les anciens parapluies, là, recroquevillée comme ça. Donc, cette houlette, elle sert à faire quoi? Lorsque les brebis tombent dans un trou, on met la houlette dans le trou pour prendre les brebis à partir de là. Et comme c'est couché, puis on les fait sortir. Donc voici les deux bâtons, n'est-ce pas, du berger. Un bâton qui sert à diriger, le bâton sert à corriger la direction, le bâton sert à protéger des bêtes féroces et la houlette qui sert à sauver. Mais c'est exactement ce que la parole de Dieu fait. Dieu est un berger. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. En tant que berger, Dieu a ces deux bâtons-là. En fait, il y a un bâton, il y a une houlette. Le bâton de Dieu sert à nous corriger quand nous péchons, nous sommes en dehors du chemin de Dieu. Il vient nous corriger en nous châtiant, il nous ramène. Le bâton de Dieu sert à nous indiquer le chemin pour trouver la source d'eau, pour trouver là où il y a la verdure dans le désert. Le bâton de Dieu nous permet donc d'avancer selon la direction du Seigneur, corriger notre marche. Mais le bâton de Dieu sert aussi à corriger l'ennemi, le diable, les démons, les sorciers, les mystiques. Il y a un bâton pour les corriger. Est-ce que le bâton de Dieu peut se manifester à quelqu'un pendant qu'il parle? Le bâton de Dieu va se manifester à toi pendant qu'il parle. J'ai dit, ça va se manifester à tes ennemis. Ils viennent contre toi, mais le bâton de l'Éternel va s'élever pour les frapper. C'est pour ça que la Bible dit, David dit, comme je frappais l'ours et les lions qui venaient s'en prendre au troupeau, ainsi je frapperai cet incirconcis des Philistins. Car avec le bâton du Seigneur, on va frapper. C'est pour cela que David, quand il partait avec son bâton, Goliath a vu ses deux bâtons. Il a vu un bâton qui corrige, qui délivre, mais le bâton qui va le frapper, il l'a vu. Et il a vu aussi le bâton qui va sauver Israël. Car David devait sauver Israël, délivrer Israël. Car il faut le frapper pour délivrer Israël, n'est-ce pas, de la main des Philistins. Et c'est ce qu'il a vu. Bien aimé, le diable voit ce que toi tu ne vois pas. C'est pour ça que dans le prophétique et dans la prière prophétique de délivrance, on peut prendre ne serait-ce qu'un morceau de tissu, un mouchoir, on invoque l'onction et il y a un pouvoir dedans parce que le mouchoir ne devient plus le mouchoir. C'est pour ça qu'on prenait le mouchoir qui avait touché le corps de Paul, on amenait à des kilomètres, on déposait sur les personnes qui avaient des démons et ces personnes étaient délivrées et ces personnes étaient guéries. Pourquoi? Parce que ce mouchoir qui transporte la présence de Dieu n'est plus un mouchoir dans le monde spirituel. Ceux qui ont l'œil et qui voient ne voient plus un mouchoir, mais ils voient la puissance de Dieu, ils voient l'onction. Écoute-moi très bien.
De l'eau, on peut prier sur de l'eau. Et puis toi, pendant que tu vois l'eau, l'eau peut devenir un océan devant les démons. Ça peut devenir un océan devant le diable, devant les sorciers. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu vois comme simple n'est pas simple. Ce que tu vois comme simple n'est pas simple. Il y a un bâton qui est entre tes mains aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est entre tes mains aujourd'hui. Quand tu décrètes que ça devient le bâton et la houlette dans le monde spirituel, le diable verra ça. Et vous savez aussi que la parole de Dieu, c'est une épée. Et cette épée a la capacité de trancher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La parole de Dieu peut trancher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regardez, écoutez-moi très bien. La Bible dit, pourquoi alors tu viens contre moi comme un chien? Vous savez, le chien, c'est celui qui n'est pas dans le royaume. Dans le livre d'Apocalypse, il est très clair. Il dit que le chien, c'est celui qui n'est pas dans le royaume. Ok? Le chien, c'est celui qui n'est pas dans le royaume. Apocalypse 22, verset 15. N'est-ce pas? Hors du royaume, les chiens, les idolâtres et toutes ces personnes. Donc le chien, c'est celui qui n'est pas dans le royaume. Parce que le chien répare ses vomissements. Quand il mange, ce qu'il a vomi, il part manger après. Ce qu'on a vomi, c'est quoi? C'est ce qu'on a rejeté, c'est-à-dire ce qui ne fait pas partie du royaume. Les choses qu'on a rejetées, les choses du monde qu'on a rejetées, les choses des ténèbres qu'on a rejetées, retournées à ça. Et c'est le chien. Le chien est le symbole, celui qui n'est pas dans le royaume, donc celui qui n'a pas d'alliance, c'est-à-dire celui qui n'est pas circoncis. Donc David, en disant, de la même manière qu'il a frappé l'ours et le lion, il frapperait, c'était circoncis de Goliath, ça veut dire en clair ce chien. David avait dit que Goliath était un chien. David l'a vu comme un chien. Et c'est pour cela que Goliath aussi s'est senti concerné. Parce que David a vu, car la vision que David avait de Goliath, Goliath l'a perçu. Écoute-moi très bien, la façon dont tu vois ton ennemi dans le cœur, là, l'ennemi voit ça. C'est pour cela que quand tu veux par exemple combattre les démons, les sorciers, si dans ton cœur tu as peur, il sait que tu as peur. Si dans ton cœur tu as l'assurance, il sait que tu as l'assurance. Si tu as la foi, le diable sait que tu as la foi. Parce que c'est David qui l'a vu comme un chien. David l'a vu comme un circoncis. Automatiquement, Goliath a perçu le message. Il dit, tu viens comme moi, comme un chien. La preuve, tu as pris un bâton pour venir me tuer comme on tue un chien. Ah, est-ce qu'il peut parler? Rebeshaya. Est-ce que vous savez qu'à la fin, David a pris l'épée de Goliath pour tuer Goliath lui-même? Pourquoi? Parce que l'épée de Goliath, c'est l'arme de Goliath. Et c'est l'arme par laquelle l'ennemi règne. C'est par là que l'ennemi doit périr. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire, David a utilisé les propres paroles de Goliath pour vaincre Goliath lui-même. David a utilisé les propres paroles de Goliath pour vaincre Goliath lui-même. Car Goliath a dit, tu me traites comme un chien. Alors, comme c'est sorti de sa bouche que lui-même, il est un chien, David dit, puisque toi-même, tu as sorti de ta bouche que tu es un chien, parce que moi, en disant que je viens vers toi parce que tu es circoncis, je voulais vraiment dire que tu es un chien. Mais comme tu as compris mon message, que tu es un chien, et que toi-même, tu as confessé que tu es un chien, alors je vais t'abattre comme un chien. Peut-être comment c'est qu'ils en disent. C'est pour ça, dans le monde spirituel, quand le sorcier veut tuer quelqu'un, il le transforme en un agouti et puis il le tue. Avant de le tuer, il le transforme en une bête. Et puis le tue, soit un agneau, soit un agouti, soit un mouton, et puis il le tue. Quand on a tué là-bas spirituellement, la personne meurt après, physiquement. Et tu comprends? Donc, puisque Goliath même s'est vu comme un chien, David dit, ok, comme tu t'es vu comme un chien, toi-même, il est à battre comme un chien. C'est pour ça que je viens comme si tu étais un chien avec bâton pour te tuer. Et aujourd'hui, il a été tué comme un chien. Il a été tué comme un chien. Et ça, j'ai parlé à quelqu'un. Un sorcier va mourir comme un chien. Un sorcier va mourir comme un chien. La façon dont il s'est levé comme toi. Alors que c'est un chien, il n'est pas de l'Europe, c'est un chien, les chiens doivent être abattus. Les chiens sauvages, les chiens qui sont enragés, qui s'élèvent, qui sont en colère, enragés, doivent être tués. Un chien qui devient enragé doit être tué. Pour ne pas qu'il donne sa rage aux gens. Je suis en train de dire, tout sorcier, tout démon qui s'est levé, qui est devenu enragé, qui est en dehors du royaume, qui s'élève contre toi, qui est du monde des ténèbres, il sera abattu dans le nom de Jésus. Rebeshaya. Rabalakate. Maraka. Oh, j'aime Dieu. Est-ce que vous savez que la parole, c'est une épée? En fait, on dit David est parti sans épée. Mais c'est ce que l'œil voyait. Parce que pour les gens, David n'avait pas d'épée. Mais il y a une épée spirituelle que David avait, c'est la parole. Car la parole, c'est une épée à double tranchant. Qui peut trancher dans un sens et trancher dans l'autre. La parole de Dieu est très efficace. Frère. L'arme la plus redoutable que Dieu t'a donnée, c'est la parole de Dieu. Elle est tranchante. C'est pour ça, écoute-moi très bien. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu te dit. Écoute-moi très bien. Ce qui est le plus important dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu te dit. Mais c'est ce que tu te dis quand Dieu t'a dit. Je reprends.
Ce qui est le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que Dieu te dit, mais c'est ce que tu te dis quand Dieu t'a dit. Je reprends. Ce qui est important, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais c'est ce que tu te dis de ce que Dieu a dit. Comment tu conçois ce que Dieu a dit? C'est ça. C'est de là que vient le problème. Parce que en fait, Dieu avait dit à Jean-Baptiste qu'il allait lui donner un signe. Et le signe qu'il allait lui donner, c'était quoi? C'est que celui-ci qui la colombe allait se poser, c'est lui. Baptise-le. C'est le Messie. Celui pour qui tu es venu préparer le chemin, c'est lui. Jean-Baptiste a fini de baptiser Jésus. Jean-Baptiste était en prison. Maintenant, Jean-Baptiste dit à ses disciples d'aller demander aux disciples de Jésus, après qu'ils soient en prison, si Jésus, là, c'est celui qui l'a annoncé, c'est le Messie, ou bien il doit en attendre un autre. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a bien convaincu les gens qui étaient autour de lui que Jésus était le Messie. Il l'a annoncé, il l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Et Jésus va dire, de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a transmis la conviction aux gens. Donc tous les gens qui étaient autour de Jean-Baptiste étaient convaincus que Jésus était le Messie, sauf Jean-Baptiste lui-même. Il a douté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été convaincu avant de chercher à convaincre les gens. Écoute-moi très bien. Ton problème, c'est que tu dis à tout le monde que tu es riche. Parce qu'on a dit que le pauvre dit je suis riche. Donc tu commences à dire je suis riche. Que le faible dit je suis fort. Tu commences à dire je suis fort. Tu dis ça aux gens. Tu dis je vais prospérer. Je vais m'élever. Je vais me marier. Je vais dominer. La société ne pourra pas me tuer. Ça, c'est ce que tu dis aux gens. Les gens ont entendu. Ils sont convaincus que toi, Dieu va t'élever. Mais quand tu te retires seul, tu commences à avoir peur. Par exemple, quand tu regardes la taille de Goliath, toi-même, tu te dis, est-ce que ce qui est annoncé là, c'est vrai? Tu es comme Jean-Baptiste. Écoute-moi très bien. C'est pour cela que tu dois commencer d'abord par être convaincu avant de convaincre les gens. Ne cherche pas à convaincre les gens que Dieu va t'élever si toi-même, tu n'es pas convaincu. Commence à te convaincre toi-même avant de convaincre les gens. La conviction commence par toi avant d'aller chez les gens. Écoute, si tu n'es pas convaincu et que tu vas parler aux autres, le diable sait ce qui est dans ton cœur. Alors, tu vas voir que tu ne pourras pas vaincre. Commence à être convaincu. Malgré la taille de Dieu, malgré ce que tes yeux voient, tu dois être convaincu. Et c'est ta conviction que tu transmets aux gens. La Bible dit, nous avons cru, c'est pour cela que nous avons parlé. Nous avons cru, c'est pour cela que nous avons parlé. Toi, tu parles, mais est-ce que tu as cru d'abord? Toi, tu parles, mais est-ce que tu es convaincu? Tu convaincs les gens, mais est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Si Dieu t'a libéré, tu as libéré. Si Dieu t'a affranchi, tu es affranchi. Ton problème, c'est que tu n'as pas la conviction interne, mais tu veux convaincre les gens. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que le diable fera tout pour te décourager. Il fera tout pour te mettre la peur. Tu as fait un business. Tu as commencé à faire un business. Et puis tu commences à avoir peur. Tu comprends? Rebeshaya. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toi, sois convaincu avant de convaincre les autres. Avant que tu puisses parler devant Goliath. Maintenant, regardez. Ce qu'on appelle la foi, c'est quoi? La foi, c'est la réponse de ton esprit à la parole de Dieu. David, quand il va déclarer quelque chose en rapport avec ce que Goliath a dit. Goliath a dit, aujourd'hui, toi David, je vais te frapper, je vais donner ta chair aux oiseaux pour manger. David aussi a dit, c'est toi-même. Pourquoi? C'est parole contre parole. Ne laisse jamais une malédiction d'un esprit, d'un démon, d'un divin, de quelqu'un sur ta vie sans parler. Une parole de malédiction que tu laisses, à laquelle tu adhères, va commencer à agir sur toi. Quand Goliath a parlé, David aussi a parlé. David a dit, ah bon, tu vas me tuer, c'est plutôt toi-même. Et puis regarde, la foi déclare. Vous savez, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient dans leur cœur, mais ne déclarent pas. Il faut que tu proclames ta victoire. Il faut que tu proclames ta délivrance. Il faut dire que tu proclames ta délivrance. Ne garde pas seulement dans ton cœur. Tu es convaincu. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Romains chapitre 10. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Mais en confessant, on parvient au salut. Tu es sauvé lorsque tu confesses. Le problème, c'est que le diable te laisse croire dans ton cœur. Mais il t'empêche, il ferme ta bouche, tu n'es pas croire. Ou bien alors qui professe, qui confesse. Mais qui ne croient pas dans leur cœur. Le diable agit à certains niveaux. Tu crois dans ton cœur, mais tu as peur de déclarer. Et si il dit, maintenant ça ne se réalise pas. Mais David, il n'a pas fait ça. David a dit aujourd'hui, là, toi-même, je vais te frapper. Toi-même, je vais prendre ton épée pour couper ta tête.
toi-même, je vais donner ta chair aux animaux des champs, aux bêtes des champs. Ouais. David a dit, il a programmé la délivrance d'Israël. La délivrance se programme. La délivrance se proclame et elle se programme. La délivrance se proclame et elle se programme. Il a proclamé. Il a cru, il a proclamé et il a programmé. Il faut programmer. Il dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Il dit aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il n'a pas dit demain. Il dit aujourd'hui. Ton problème, c'est que tu n'as pas donné un thème au diable dans ta vie. Il y a combien d'années les démons te fatiguent? Mais il faut dire aujourd'hui. Pendant que tu parles, il faut dire aujourd'hui, là, c'est fini. Est-ce comment? David a programmé aujourd'hui. Il faut dire cette semaine, bien sûr, il dit ce mois. Ou bien cette année. Tu as vécu des situations. Mais aussi longtemps que tu ne donnes pas de thème, de délai butoir, les anges, quelquefois, ne sont pas, n'est-ce pas, limités. Ils ne sont pas limités. Ils s'en vont, ils veulent travailler. Mais ils peuvent travailler dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais c'est toi, ta parole. Tu donnes un thème, tu donnes un butoir. Faut t'énerver un peu pour dire cette année. Il y a beaucoup de gens que je vis depuis. Je vis ça depuis. Les maris de nuit viennent me visiter. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas le temple des maris de nuit, tu n'es pas le temple des démons, tu n'es pas le temple de la sirène des eaux. Faut te dire aujourd'hui, ou bien cette semaine-là, tu donnes un délai. Et moi, ce que j'en ai dit. Tu dois dire cette semaine ou bien aujourd'hui. Tu dois proclamer, tu dois trouver un thème à ta délivrance. C'est ça qu'on appelle la foi, quand la foi programme. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre les mains. Et puis, il explique maintenant comment. Il a programmé, il a donné une date. Et puis, il dit, je te frapperai, je couperai ta tête aujourd'hui et je donnerai ton cadavre au champ. Vous voyez? Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Ouais. Toute la terre. Donc David dit, ma délivrance, la délivrance d'Israël, ça va être une opportunité de témoignage de tous ceux qui sont là. Ils vont entendre parler de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu trouve une occasion de pouvoir te délivrer. Mais si Dieu te délivre pour que tu ne parles pas, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Donc toi tu dis ma délivrance, si elle s'est délivrée là, oh ben il a parlé, tout le monde entier va entendre. Si elle s'est délivrée là, je vais évangéliser, je vais annoncer que c'est Jésus qui a fait, c'est ça, voilà. C'est ça qui va pousser Dieu à te délivrer. Donc tu programmes la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui le diable va tomber? Quelqu'un peut dire aujourd'hui les sorciers vont tomber? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui celui qui me fatigue là, le démon, le magicien, le mystique qui s'élève contre moi, qui me frappe, qui fait les incantations? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui il va tomber? Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il faut que dans ton esprit, tu vois tomber la chute de ton ennemi. Il faut que tu vois la chute de l'esprit défaté. Je voyais Satan tomber. De ton esprit, tu dois voir. Mais il y a des gens qui veulent qu'on prie pour les délivrer, mais ils ne voient pas la délivrance. Tellement ils ont traversé les moments difficiles, oppressés. Ils ont vu, ils ont entendu Goliath parler. Ils ont vu les esprits mauvais venir. Ils ont dit, hey, vraiment ça. Il est venu encore. Regarde ce que les gens ont dit. Vraiment, Goliath est monté encore. Ça, c'est pour venir nous perdre. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu nous jeter un défi. Il va nous perdre. Il va venir nous tuer. David n'a pas dit ça. La Bible dit, quand David a entendu ça, il a dit, mais que va-t-on faire à celui qui va le tuer? Son problème, ce n'est pas s'il va le tuer. Que va-t-on faire à celui qui va le tuer? Qu'on lui a dit, on va affranchir la maison de son père. On va affranchir la maison de son père. On va lui donner des richesses. Et la fille du roi, quand elle entendit, dit, bon, mais là, il va le tuer. Bien aimé, David n'avait pas un problème pour le tuer. C'était la récompense qu'il recherchait. Il était sûr qu'il allait le tuer. Parce qu'il sait que son Dieu est fort. Est-ce qu'il peut prophétiser? Il est en train de dire, les magiciens vont tomber, ça se passe. Pendant que tu dis aujourd'hui, les sorciers vont tomber, ça se passe. Rebachaya, Robarababa, est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Téléphone plus 1-469-389-0612. Rebachaya, Rimaratahatahakahara. Téléphone plus 1-469-389-0612. Je décrète et je déclare l'arme par laquelle ils ont voulu régner sur toi. Cette arme-là, c'est ça qui va les faire chuter. Ils sont allés faire des sacrifices contre toi dans le monde des ténèbres. Le même sacrifice qu'ils ont fait, c'est ça qui va les perdre. Ils décrètent et ils déclarent dans le nom de Jésus. Ils ont voulu prendre un piège pour te prendre dans le spirituel. Ils vont tomber dans les mêmes pièges pendant qu'ils parlent. Ils ont voulu lancer des corités, lancer des sorts. Le même sort va retenir contre eux. C'est ça qui va les perdre au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rabashiala. Le kashande le hashiala hande. Rubahata shala hande. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Garçon.
enfants. Il est né à 15 ans et le deuxième à 10 ans. Leurs résultats scolaires ne sont pas vraiment fameux alors qu'ils sont dans une classe d'examen. Et surtout le dernier qui commence à rentrer dans l'âge de l'adolescence nous donne un peu du fil à retordre et tout ça. Donc vraiment, je voudrais que vous priez pour eux afin que le Goliath de leur vie puisse tomber. Ok, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour ça. Mais pendant qu'il est en train de prier pour toi, il ne sait pas si c'est rattaché à toi, mais pendant qu'il voit, c'est écrit, il voit Ivan. Ivan, c'est comme Yann aussi, c'est la même chose. Ivan, Yann, c'est la même chose. Ivan ou Yann, c'est la même chose. Il voit écrit. Est-ce qu'il y a un jeune homme comme ça, il s'appelle Ivan ou Yann comme ça là-bas aussi, qui a des difficultés par rapport à Dieu? C'est le fils de ma meilleure amie, c'est son fils aîné. Et lui, c'est sa mère, et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Vraiment difficile aussi. Oui. Voilà. Oui, donc, pendant qu'il prie pour des enfants. Oui. C'est une très bonne amie et je la considère comme ma soeur. Et son fils est né depuis qu'il a l'âge de 4 ou 5 ans, en tout cas. Il lui donne du fil à retordre. Elle, c'est. Lui, c'est. Il fuguait. Ça, c'était l'accélération. Surtout à son âge, il est encore même en retard au niveau scolaire parce que. Il ne prend rien au sérieux, il partait pas à l'école. Bon, là, c'est un peu difficile pour elle aussi. C'est ça. C'est vraiment difficile pour elle, oui. Ben, il a vu aussi que cet enfant était concerné. En fait, ce qui perturbe, c'est vraiment un problème spirituel. Ce n'est pas que les enfants ne veulent pas étudier, mais il y a une perturbation spirituelle. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Il y a un esprit qui te perturbe. Cet esprit qui te perturbe là, c'est lui qui perturbe aussi tes enfants. C'est le même esprit qui perturbe aussi le petit de ta meilleure amie là. C'est un esprit qui agit dans le sens de pouvoir retarder. C'est un esprit de retard. Donc il est prié. Parce que l'objectif c'est que on veut les retarder en les poussant à reprendre les années. C'est un esprit, c'est aussi ça qui te retarde dans le domaine professionnel là. C'est cet esprit. Il est prié aujourd'hui et Dieu va te libérer, il va libérer aussi ce petit enfant au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ta tête comme ça. Pendant que tu mets ta main, tu inclus tes enfants et tu inclus ce petit enfant là. Pendant qu'il est prié pour toi, il est prié pour tes enfants, il est prié pour cet enfant. Et Dieu va opérer la délivrance. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que cet esprit puisse libérer sa tête, libérer leur tête. Que tout filet qui a été jeté sur la tête dans le monde spirituel, je commande à cet esprit qui vient combattre l'intelligence de libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est fait. C'est fait. Sois béni. Désiré Nomel Boti. Désiré Nomel Boti, est-ce que tu peux appeler? Il y a quelque chose pour toi. Ou bien tu es là, je ne sais pas, je vois quelque chose, je vais parler sur ta vie. Désiré Nomel Boti, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il regarde, parce que l'Esprit de Dieu m'a amené. L'Esprit de Dieu m'a amené à Paris. Pendant que je suis parti à Paris, il voit quelque chose. Et je ne sais pas, je vois quelque chose comme Art Route. Il voit Art Route. Je vois Art Route. Je vois quelque chose comme. C'est écrit Art Route. Je ne sais pas si c'est. Non, ce n'est pas autoroute. C'est, ça ressemble à autoroute, mais ce n'est pas autoroute. C'est Art Route. Ça date d'un quartier. C'est comme Art Route ou Art Route, je ne sais pas. Mais c'est comme. Je ne vois pas bien. C'est écrit sur peau. Comme si une peau d'animal. Mais je vois Art Route. Je te vois là-bas. Mais ça doit être un quartier. Et quand il regarde, je vois. Mais je vois ton nom écrit. Mais c'est comme c'est une société. C'est comme c'est écrit. Je vois comme Nomel Compagnie. Je vois Compagnie, Nomel, et puis je vois Compagnie. Je vois Art Route, quelque chose comme ça. C'est-à-dire un quartier, je ne sais pas. Je vois un ange qui est là-bas. Parce que je vois, il y a une œuvre de la sorcellerie qui est en train de bloquer ton activité professionnelle. Et pendant qu'il est prié, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Le Seigneur veut te libérer certainement de ce truc-là. Et donc, il est prié, il y a quelque chose qui se passe. Allô? Ah oui, bonjour, t'as dit, c'est Désiré Nouvelle Boutique. Ah, Désiré Nouvelle Boutique, oui. Ah, je vois quelque chose, comme je disais, je vois un truc comme Art Route, je vois, et puis je vois ton nom, je vois le compagnie, un truc comme ça. Bien compris. Ah oui, j'ai pas bien entendu. Je dis, je vois comme Art Route, un truc comme ça, et puis je vois ton nom, Désiré Nouvelle, je vois Boutique, et je vois compagnie, un truc comme ça. Est-ce que tu as une société ou bien tu as travaillé dans le secteur, mais c'est un, je sais pas, c'est quoi? Compagnie de bâtiments d'architecture.
Tu travailles dans une compagnie d'architecture. Maintenant, Atroute, c'est quoi? C'est quoi? Atroute, ça dit quelque chose, c'est quoi ça? Atroute. Bon, des fois, on a des clients, mais Atroute, je ne sais pas, je ne vois pas trop, mais on a des clients pour qui on fait beaucoup de prestations. Ah, ok, vous faites des prestations. Ok, donc tu as une compagnie quelque part aussi qui fait. Oui, j'ai une compagnie, je travaille avec un gros cabinet d'architecture. D'architecture. En Côte d'Ivoire et puis en France, ici, on a des marchés. Ok. On a des clients. Et puis moi aussi, j'ai créé une entreprise qui est affiliée à notre entreprise aussi. Ah, ok. À qui je fais de la fourniture d'équipement. Ok. Mm-hmm. Ok. D'accord. Je vais prier parce que pendant qu'il regarde, il a vu, c'est comme j'ai vu un esprit qui était venu depuis la Côte d'Ivoire qui a arrêté la maison. C'est comme on bloque des choses spirituellement. Donc, j'ai prié pour que le Seigneur puisse dégager, pour que cette compagnie puisse connaître son histoire, son épanouissement. Il voit comme il y a une main qui l'étouffe. C'est pas ce qu'elle doit être, qu'elle est. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cet esprit qui vient combattre la soie repoussé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci pour ta grâce et la grâce et la prospérité dans sa vie au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Voilà. Tu es béni. Voilà. Sois béni. Amen. Voilà. Téléphone. Plus 1-469-380-0612. Voilà, appelez, et priez pour quelqu'un rapidement. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Rabashaya. Ribibe Shaya Bahadala Gadeski de Adasandala Hati. Rakoko Bahate. Allo, allo? Yeah, good morning. Good morning. I'll let you pray for me, please. All right. Maida? Veda? Oh, that's great. Where are you calling from? I'm in New Jersey here. Oh, you're in New Jersey here? Yes. Oh, that's great. Thank God. And I would like to pray for you. See, in which area do you want the Lord to perform a miracle for you? And marriage. You're not married, right? You're not married, right? No, still not married. Okay. I want to pray for you for the Lord to open the doors that are closed. Because I'm seeing locked doors in front of you. Why I'm here right now, I just want to pray for you for the Lord to open those doors. And the Lord will open the doors. I'm seeing in the realm of spirit something. I'm seeing something in the realm of spirit. Because the Lord is... prior to this, why am I seeing you in New York? Were you in New York? Never been there before. But I'm seeing a link. I go there to buy something. Are you going to buy some stuff there? But you've never been located to New York before. But I'm seeing something like a connection to you. I'm seeing a connection to you from New York to you. My sister lives in New York. Your sister is there because I'm seeing a person there. She's there in New York. I'm seeing the realm of see somebody. Is she married? Yeah, she's married. She's married, yeah. I'm seeing something like that. Okay, you will go there and we'll come back with testimonies. Because the same thing the Lord has done for her, the Lord will do the same thing for you. Because I'm seeing the realm of spirit. The door is opening now towards New York. And the Lord said the same grace is about to come upon your life. Receive this grace in the name of Jesus. I receive it. You are blessed. So just send me a message and after this call, after the stream live, you will have just a little bit of time to talk together, okay? Okay? God bless you. God bless you. God bless you. Ho ba ha ha de ge si ya la ga de s ku han de le ha sha han de. Ri ma ka te le ga ba ja da ga ze ge de zu han da la ga si ya la han de. Allô? J'espère que vous allez bien. Oui. J'aimerais que vous priez pour... Je veux confirmer ma situation, que vous priez pour moi. En fait, c'est vraiment difficile. Ça fait pratiquement un an, que j'ai fini mes études ici en France. Et j'ai eu des propositions d'emploi.
mais à la fin, les entreprises ont désisté. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je prie, je fais tout, je prends des temps de jeu. Ma soeur, ma famille me soutient et tout, mais jusque-là, j'ai rien. Là, j'ai eu une entreprise. Bon, en fait, c'est une amie de ma soeur qui est en train de créer une entreprise, qui est en train de m'aider pour que j'ai un poste dans son entreprise. Et là aussi, au niveau des démarches, les papiers que j'avais ont expiré. Et grâce à l'entreprise, je suis en train d'entamer une démarche pour avoir les papiers. Mais là encore, ça a commencé à bloquer. On me demande pas mal de documents et du coup, c'est pas que j'ai peur, mais je sais pas quoi faire. Ok, d'accord. Faut pas avoir peur. Surtout, faut garder confiance. Nous allons prier le Seigneur qui est bon. Le Seigneur qui est merveilleux va accomplir de grandes choses. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Je vois le mois d'août. C'est comme je vois le 8 août. Je vois le 8 août. Est-ce que cette date est dit quelque chose de façon particulière? Le 8 août. Je vois le 8 août. En août 2018, je crois, j'avais. Non, oui, en août 2018, j'avais perdu ma soeur avec qui j'étais très proche. En août 2018. Oui. Tu avais perdu ta soeur. Donc, c'est pas en août, c'est pas en août. Le mois d'août, non. Le mois d'août, non. C'est pas. Le mois d'août, ça me dit rien. C'était en septembre. Quelle est décédée en 2018? En septembre 2018. Qu'est-ce qui s'est passé à pour qu'elle décède? Moi j'étais en France ici, ma soeur m'a appelé pour me dire que c'était un samedi. Elle m'a appelé pour me dire qu'il y a ma soeur qui ne se sentait pas bien. Elle a dit qu'elle avait une migraine, mais apparemment ça ne va pas, elle a perdu connaissance. Elle avait quoi? On m'a juste dit qu'elle avait une migraine. On m'a juste dit qu'elle avait une migraine. Donc du coup moi, je crois que je partais faire des courses. J'étais dans le bus, j'ai pris un temps de prière, j'ai vaqué à mes occupations. Le lendemain, c'était un dimanche, j'étais en train de regarder la télé, on m'appelle, on me dit qu'elle est décédée. En fait, je t'explique. Pourquoi je dis ça? Parce que le 8 août, effectivement, le 8 août, quelque chose s'est passé dans le monde spirituel, dans sa vie. C'est-à-dire que, un mois avant qu'elle décède, c'est passé quelque chose, on lui a jeté un mauvais sort. Parce que dans le monde spirituel, on lui a jeté un sort le 8 août exactement. Et un mois après, au mois de septembre en 2018, c'est là où il y a eu le décès. Parce que le Seigneur m'amène, quand il m'amène au mois d'août, je vois un esprit de mort qui est venu. Quelque chose s'est passé là dans le spirituel. Et pendant qu'il regarde dans le monde spirituel et qu'il voit bien, ce problème est venu à cause d'une affaire. C'est venu avec une affaire de mariage. Oui, elle s'est mariée justement. Jésus. Ma soeur a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Elle s'est mariée, je crois, le dimanche de la Pâque. Elle était tellement heureuse qu'elle passait tout son temps à pleurer le jour de son mariage. Je crois que c'est la même année de son mariage qu'elle est décédée. Voilà. Le problème est venu à cause du mariage. Je n'ai pas, il y a des choses qui sont en direct, je n'ai pas dit. Mais c'est venu à cause du mariage. Il y a des choses qui sont passées dans son mariage. Parce qu'en fait, l'homme avec qui elle est partie là, il était avec quelqu'un, une femme qui n'a pas accepté à quelque chose. Elle a lutté avant d'entrer dans ce mariage parce que c'était quelque chose qui était impossible. Elle a beaucoup lutté avant de se marier. Elle s'est mariée, quelqu'un n'a pas accepté, la personne a fait quelque chose dans le spirituel. On lui a jeté. Oh my God! En août, non, alors spirituellement, j'explique le contexte. Pourquoi? Parce que c'est comme spirituellement, je t'explique pourquoi. Quel est le rapport avec toi? Elle est déjà morte, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est les rapports avec toi. Parce que, en fait, dans le monde spirituel, c'est comme ta soeur et toi. Ta soeur et toi, vous êtes, tu vois, ce qu'on appelle un yoke. Vous avez un joug commun. Celle qui est décédée, toi, vous avez un joug commun. Regarde bien, tu vas te voir, tu vas te rendre compte que à partir du moment où ta soeur devait être décédée, à partir du mois d'août 2010, il y a des choses qui ont commencé à se passer dans ta vie aussi, des événements malheureux qui ont commencé à se passer dans ta vie. C'est vrai. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel,
Vous deux, vous êtes liés par un jour. Je vois comme des bœufs qu'on a déposés un jour. Et pendant que elle a été agressée, toi, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Mais comme tu pries beaucoup, ils n'ont pas réussi à faire dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si c'est une malédiction qui est venue, on a lancé un sort, on lui a jeté un sort. Mais en fait, c'est parce que cet esprit qui est venu à travers l'œuvre de la sorcellerie dans sa vie. Pour détruire sa vie. Et ce truc est en train de venir vers toi. C'est pour ça que dans le monde spirituel, pendant qu'il te regarde, quand il te regarde, c'est comme on t'a mis dans une chambre, mais c'est noir. Pendant qu'il prie et te regarde, on t'a mis dans une chambre, c'est comme si la chambre est noire. Donc tout ce que tu fais, tu recherches, tu n'arrives pas à trouver. Et dans le monde spirituel, après ta soeur, ce qui s'est passé après ta soeur, maintenant toi aussi, les gens sont en train de programmer des choses sur toi. On veut te déstabiliser dans le travail jusqu'à mener à arriver à ce point-là. Mais comme tu pries beaucoup, les choses n'arrivent pas. Mais j'ai prié pour toi parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Ah! Parce qu'on veut compliquer tes choses. C'est comme on te met dans un sac fermé. Tout ce que tu fais, tu vas faire, tu vas ici, tu ouvres des portes, mais une autre porte se ferme. On te met dans une situation compliquée du point de vue de l'immigration, du point de vue du travail. Tu te trouves en train de te retourner sur toi-même. Parce que le truc, c'est qu'il n'arrive pas à te tuer, on n'arrive pas à te détruire. Donc, on fait que tu ne te retrouves pas comme dans un esprit de perdition. Mais il veut prier que Dieu te libère. Rabalagade. Rabalabade. Pendant qu'il est en train de prier, il entend un prénom comme Amanda. Amanda. Ria la cater. Ria la cader. Zogodo baya sakata. Ribaka la gades. Ribaka la bagades. Kabababalaga. Lève la main droite. Il veut prier pour toi. Que le Seigneur te sorte de là. Car Dieu va te secourir de là. Toutes les personnes qui sont dans les situations qui sont en train de tourner. Lèvez la main droite. Il veut prier. Dieu va vous sortir de là pendant que Dieu le touche. Père, dans le nom de Jésus, je prie qu'il trouve sa délivrance là. Tu le ressors de cette chambre noire. Tu brises le joug commun qu'il avait avec sa sœur. Je brise cet esprit de mort. Je commande que cet esprit d'esclavage, de limitation soit ôté. Le joug dessus de ton clou est brisé par l'onction. L'onction éclate ce joug dans le nom de Jésus. Amen. C'est fait. Pendant qu'il a prié, il a vu un ange qui venait enlever ce joug au niveau de ton cou. Est-ce souvent, tu ne te rends pas compte que tu as des douleurs au niveau du cou, dans le cou ici. C'est comme si quand tu t'abaisses, tu as des douleurs dans le cou comme ça. Même actuellement, j'ai une petite douleur au niveau de la gorge. Tu as une petite douleur de la gorge, voilà, c'est ça. Puis il y a un joug qu'on a mis là. C'est ça qui fait que tu as ces douleurs qui sont là. Mais dans le spirituel, le joug a été brisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Tu es libéré, tu vas voir que la douleur va partir, les douleurs du cou vont partir, tout va disparaître. Et tu vas voir que tu as trouvé les problèmes de ta solution. Tu vas voir que ça sera facile, tu as trouvé ça. Tu vois que tu es sorti de la chambre noire, tu es arrivé dans, comme à une lisière et tu traverses, tu es en train de partir. Yeah. Merci Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est Amen. Fait. Merci d'être. Ah, tu es béni. Merci d'être. Tu es béni. Okay. Wow, le diable est un menteur. Bien aimé, que la grâce de Dieu vous protège. Que Dieu protège vos maisons, qu'il protège vos foyers, qu'il protège vos habitations, qu'il protège votre maisonnée dans le nom de Jésus. Je décrète que leur projet contre toi a déjà échoué. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi a déjà échoué. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi a déjà échoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, je parle à la dernière personne qui m'arrête là. Nous avons déjà 1h05 d'émission. Allô? Allô? Oui, allô? Sois béni, Daddy. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Je vous ai appelé avant de publier. J'ai fait un rêve. Mm-hmm. Dans le rêve, j'étais avec une amie dans un taxi. Mm-hmm. Le taximètre du conduit, il a failli prendre un bois, après il s'est ressaisi. Je sens que dans le taxi, tout est allumé, c'est comme s'il dormait. Mm-hmm. Je l'ai réveillé, j'ai dit, mais monsieur, vous, regardez comment vous conduisez. Mm-hmm. Il dit, mais je conduis, j'ai dit non. Donc moi, j'ai dit à mon ami, ah, moi je descends. Donc j'ai ouvert la porte, je suis descendu. Mm-hmm. Lui aussi, il m'a suivi, il est descendu. Et je voyais le taximètre partir. Il ne sait pas comment il a fait pour partir, mais on n'a même pas vu son visage. Mm-hmm. Ça m'a paru bizarre, mais je n'ai jamais fait du rêve de ma vie, mais pourquoi je rêve à ce genre de truc. Voilà. Voilà. Il va t'expliquer.
Je viens t'expliquer quelque chose dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. C'est quelque chose qui est grave, mais qui n'est pas grave. C'est grave si on ne fait rien. Mais ce n'est pas grave si on fait quelque chose. Je viens t'expliquer pourquoi je dis ça. En fait, la voiture dans laquelle tu es monté avec la personne, c'est comme c'est toi-même. Voilà, c'est comme c'est toi-même. La voiture, c'est comme c'est toi-même. Le chauffeur, c'est comme c'est ton esprit. Le chauffeur, c'est ton esprit. Tu comprends? Et toi-même, c'est ton âme. La personne qui est à côté là, c'est ton corps. Donc en fait, quand on veut t'expliquer, on veut te faire comprendre que toi, c'est-à-dire ton âme et ton corps, vous êtes resté là. Et l'esprit, le chauffeur est parti. Tu comprends? Le chauffeur est parti. Tu comprends? Parce que c'est l'esprit qui conduit. C'est l'esprit qui est comme le moteur, qui détient le moteur de la vie. L'esprit est parti. Il y a comme une dissociation. Tu comprends? Jésus a dit ceci. Père, en tes mains, il remet mon esprit. Donc l'esprit à la croix. L'esprit est parti au Père. Le corps est resté à la croix. Et l'âme est descendue après. Tu comprends? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est un esprit de mort qui est en train de venir travailler dans ta vie. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que depuis un certain moment, le corps a commencé à prendre des coups. Ton âme a commencé à prendre des coups. Tu as commencé à sentir des maladies. Tu as commencé à te dire des choses. Ce sont des signes et des indications que le diable est en train d'opérer. L'esprit de mort est en train de prier. C'est pour ça qu'il dit que si on ne prie pas, c'est quelque chose qui va être grave. Parce que c'est quelque chose qu'on vient de te montrer. Mais c'est ce que Dieu est en train de me dire. Pendant qu'il y a prié, Dieu va rassembler tout ça encore. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Puis l'ennemi, avant de faire quelque chose, il explique. On devait t'expliquer. Je vous avais appelé toujours pour mes pieds et ça a recommencé encore. Je n'avais plus à marcher. Tes pieds? Pour qui on a prié là? Les pieds pour lesquels on a prié là, c'est revenu encore? C'est revenu encore. Ok, t'as vu? C'est la preuve qu'il y a un esprit de mort qui travaille. C'est ce qu'il s'en est dit. Parce que c'est là. Ça me paraît bizarre. Voilà. C'est le rêve que tu as fait pour venir t'expliquer qu'il y a une menace. Alors il est prié. Lève la main droite. Il est prié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande la vie là où il y avait la mort programmée. Père, je décrète dans le nom de Jésus que son esprit, son âme et son corps seraient rassemblés. Père, par le souffle de Dieu, je commande que ça se rassemble dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare la vie là où il y avait la mort programmée. Je décrète la vie là où il y a la mort programmée. Je commande à ce corps mortel de recevoir la puissance de Dieu pour la guérison. Pendant qu'il est prié, l'esprit est revenu. Pendant qu'il est prié, l'âme se rassemble. Ça revient avec le corps. Ça se remet en place. Il est prié pour ta guérison. Cette fois, il s'est guéri et ça revient d'un peu. Père, dans le nom de Jésus, je commande la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je commande. Go! 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 Reçois la guérison. Reçois la guérison de ton corps. Pendant qu'il parle, la puissance de Dieu est en train de visiter maintenant tes pieds. Regarde, ton corps sera glacé. C'est la preuve de l'esprit de mort. Ça sera glacé. Et la puissance de Dieu va venir. Tu as des fourmillements pendant qu'elle s'en est pris. Ça va devenir glacé. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le feu de Dieu pendant qu'il s'en est parlé. Je commande à l'esprit de mort. Toi, esprit de mort, venu du séjour de mort. Repars dans le nom de Jésus. Repars dans le nom de Jésus. Je commande à l'esprit de paralyser, de partir. Ce démon mystère, go, libère sa vie. Libère sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tes membres de recevoir la vie. À ton corps de recevoir la vie. Pendant qu'il part. Comment tu descends maintenant? Là, je me sens bien. Et tout à l'heure, quand vous avez prié, il y avait mon corps qui se glaçait comme la glace. Depuis, j'ai beaucoup de fourmillements dans les mains, dans tout le corps. Ça s'est glacé. Maintenant, comment tu descends? C'est toujours glacé, mais tu sens que ça devient chaud. Ça devient chaud. Ça devient chaud. C'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Ça ne reviendra plus jamais. Tu es délivré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Tu vas constater ça. Tu vas constater la guérison. Voilà. Yeah. Yeah. Seigneur, merci d'engager ta main sur ses enfants. Je prie que tu sécurises sa famille. Ta main puissante est sur ses enfants. Ta main, Seigneur, ne les relâchera pas. Je prie que tu les gardes dans le creux de ta main, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Voilà, la grâce est sur toi. Amen. Voilà, amen. Sois béni.
Wow. Voilà. En tout cas, vraiment, soyez bénis. Nous sommes au terme de notre prière aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dimanche dans le coup de 14h pour la côte est des États-Unis. New York, New Jersey, North Carolina, South Carolina. Nous allons nous retrouver même pour ceux qui sont un peu au nord, le Canada, à Montréal, ça sera aussi 14h. 14h, ça sera 19h pour ceux qui ont leur GMT, donc à Abidjan, Burkina Faso. Et ça sera à 20h pour ceux qui sont à Paris, Bruxelles, Francfort. Dimanche, n'oubliez pas, connectez-vous encore à notre émission Fire Season. Ça sera un temps de feu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime. D'ici là, que Dieu vous garde. Maintenez votre délivrance et confessez votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Goliath est tombé aujourd'hui au nom de Jésus. Bienvenue dans la...